tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que pas moi, pour trois grandes raisons. Premièrement, ceci n'est pas un maquillage d'Halloween, je suis juste vraiment malade depuis hier, comme j'ai le pire rhume que j'ai eu de toute ma vie, pile au moment où il fallait que je filme une vidéo. Parlant de la vidéo, deuxième problème, cette semaine je voulais revenir à mes sources et filmer des DIY Pinterest de snacks d'Halloween parce que vous êtes plusieurs à me dire que vous vous ennuyez de mes vidéos DIY puis que vous voudriez en voir une fois de temps en temps, puis des fois ça m'arrive d'avoir une bulle, puis moi aussi d'avoir envie de vous filmer ce type de vidéo-là. Donc je vais sur Pinterest, je trouve des recettes qui ont l'air cool, puis je planifie une vidéo vraiment cool où je teste des recettes. Mais évidemment, c'est pas ça qui est arrivé, donc vous voyez les recettes juste devant moi ici, je les ai toutes foirées. Donc tu sais, déjà quand tu rates ta vidéo de la semaine, t'es pas dans un super mood. Et pour conclure le tout... Excusez-moi. Et pour conclure le tout, c'est la deuxième fois qu'on filme cette vidéo parce que ça a fucking planté la première fois. Donc, vous comprendrez que je suis pas dans un excellent mood. Puis là, je suis certaine que vous êtes plusieurs à vous dire « Oui, mais Catherine, pourquoi tu filmes la vidéo quand même? » Ben parce que mon orgueil en a pris un coup, puis j'étais déjà très déçue d'avoir raté les DIY, fait qu'il était pas question que je vous mette pas de vidéo en ligne en plus. Et vous êtes beaucoup à dire que souvent, ça a l'air tellement parfait, puis tellement beau sur YouTube. Fait que non, c'est pas parfait, c'est pas beau, j'ai foiré ma vidéo, je suis de mauvaise humeur, je suis triste, je suis malade. Bref, me voici pendant genre 10 minutes en train de rater des DIY. Donc, dans la lignée des vidéos « Je teste », j'ai choisi 4 recettes sur Pinterest. J'ai fait 4, mais c'est 8, mais c'est 4. Hey, je suis tellement fatiguée! Prise 2! J'ai choisi 4 recettes sur Pinterest et je vais tenter de les refaire le plus fidèlement possible. Donc, je prends le plus possible les mêmes ingrédients qui sont dans la recette originale et je vais les reproduire à la lettre. En fait, le mot ici serait plutôt « je vais tenter de les reproduire à la lettre » parce qu'on sait tous très bien que Pinterest n'est pas vraiment la réalité des choses. Puis souvent, ça prend plus qu'un essai avant de réussir quelque chose. Donc bref, commençons! Donc la première recette que j'ai voulu tester, ce sont des biscuits gaufrettes Band-Aid. Donc voici la photo Pinterest à l'appui parce que oui, il y a vraiment quelqu'un qui a pensé que c'était une bonne idée de faire des biscuits comme ça. Puis il y a moi, tu sais, la fille pas plus intelligente qui pense aussi que c'est une bonne idée d'en refaire. Mais bref, c'est pas très compliqué à faire honnêtement. Vous avez besoin de comme 3 ingrédients. Donc des biscuits gaufrettes à la vanille, du crémage à la vanille aussi et de la confiture de fraises. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre les biscuits dans une assiette, de prendre du crémage puis de venir en mettre comme en forme de rectangle dans le milieu, tu sais, qui va vraiment faire comme l'intérieur du Band-Aid, là, je pense que vous voyez un peu où est-ce que ça s'en va, donc j'ai un petit peu eu de la difficulté à faire ça parce que je pense que mon crémage était un petit peu trop mou, puis j'avais pas vraiment beaucoup de dextérité cette journée-là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai essayé de l'arranger un peu, mais bref, c'est ce que ça a donné, et après ça, ben, vous allez prendre un petit peu de confiture de fraise et venir en glisser une petite goutte dans le milieu, et c'est tout! Bon, ben écoutez, on va pas passer par 4 chemins. C'est vraiment très moche, comme... Tu sais, c'est quand même semblable à la photo sur Pinterest, là. Je veux dire, même si j'ai quelques petits trucs qui sont pas semblables, comme mon glaçage qui est clairement mal mis, mes gaufrettes à moi sont oranges parce que j'en ai pas trouvé des plus pâles que ça. En général, c'est quand même pas si mal. C'est facile au moins à faire, faut que je leur laisse ça. Mais c'est juste douteux, là. Je veux dire, je vois pas pourquoi je ferais ça. Puis moi, aller dans un party... Puis voir une table avec des biscuits Band-Aid comme ça, c'est garanti que je les mangerai pas. Puis Jay s'est sacrifié pour vous, il a goûté. Parce que moi, avec mon rhume, anyway, je goûte rien en ce moment. Puis il dit que c'était vraiment pas tant bon. Puis qu'il aimerait mieux des gaufrettes normales. C'est juste bizarre. Ouais, c'est ça. Fait que bref, faites-le pas, ça sert à rien. Prochain DIY, j'avais envie de tester ces magnifiques pommes enrobées de chocolat blanc avec du sang qui dégouline, le sang étant clairement du glaçage. Mais j'ai choisi de le faire parce que je trouvais ça cool, je trouvais que c'était comme super thématique Halloween, mais j'espère c'est une vidéo d'Halloween, mais je trouvais que c'était vraiment cool puis ça avait pas trop l'air compliqué à faire selon les instructions sur Pinterest, encore une fois. Donc pour les faire, vous avez besoin de quelques ingrédients, donc vous aurez besoin d'une pomme, de pastilles de chocolat blanc à faire fondre, vous aurez aussi besoin de glaçage rouge et de petits bâtons pour venir piquer dans la pomme. Il n'y a pas beaucoup d'étapes pour ce DIY en fait, vous allez venir faire fondre les pastilles de chocolat au micro-ondes, ça prend à peu près 60 secondes, mais on recommande de le brasser à toutes les 30 secondes pour éviter que ça brûle, donc c'est ça que j'ai fait, ça a pris à peu près 1 minute 15 je dirais là, pour que le chocolat soit vraiment liquide. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre le bâton et venir l'insérer dans la pomme, puis ironiquement je pensais
pensais que ça allait être ça le truc le plus difficile, tu sais, parce que ma pomme est au réfrigérateur, fait qu'elle était quand même assez froide. Mais finalement, ça s'est fait super rapidement. Et après ça, on va venir la tremper dans le chocolat blanc. Donc là, je peux tout de suite vous dire que j'ai fait une erreur. Mon contenant était visiblement pas assez profond. Donc, j'aurais dû prendre quelque chose d'un petit peu plus haut, puis moins large, si je peux dire ça comme ça. Parce que le chocolat blanc, ça fige vite, vraiment trop vite. Fait que là, j'avais juste la moitié de ma pomme qui avait du chocolat blanc dessus. J'ai essayé de comme rectifier le tir, mais là, ça faisait juste des motons. C'était pas beau, c'était pas égal. Bref, j'aurais dû laisser tomber à ce moment-là, mais comme c'était ma vidéo cette semaine, mais je voulais essayer de le réussir, fait que je me suis dit que j'allais continuer, puis peut-être qu'une fois que le chocolat allait être figé, ça allait être un peu mieux. Ouais, non, une fois que le chocolat était figé, c'était vraiment pas mieux, mais je me suis quand même dit que j'allais essayer avec le glaçage rouge, parce que peut-être que ça allait justement rajouter un petit quelque chose, peut-être plus cute, mais non, ça a fait... Ça a fait des motons, ça ne coulait absolument pas. Puis là, je tiens à dire que j'ai utilisé exactement la même marque de glaçage que la recette sur Pinterest, comme exactement la même. Mais ça faisait juste des motons, puis là, ça a figé, là, puis c'est comme une espèce de glu gélatineuse. Puis Jay a goûté aussi, mais pas au glaçage, là, parce que ça avait juste vraiment l'air trop louche. Puis lui aussi, il trouve que ça, c'est inutile un peu, mais je veux dire. Qui voudrait un moton de glaçage? Je sais pas. Je pense que le parce truc... Parce que même si c'est beau... Ça reste un gros moton de glaçage à c'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment juste plus beau qu'autre chose. Donc, écoutez, faites-le pas, c'est tout. Donc là, j'espère que vous êtes pas en train de penser que je suis une bonne à rien, incapable. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelques années, j'aurais pu me décrire sans aucune honte que j'étais une des queens du DIY au Québec, mais visiblement, mes skills se sont vraiment dégradées au fil des années. Mais il y a des choses, des fois, que je suis fière dans la vie, et entre autres, c'est la sortie de mon deuxième tome, donc Elsie tome 2, qui est enfin disponible au Québec, qui va être disponible en Europe le 30 octobre. Puis là, je me fais vraiment une shameless plug en ce moment parce que cette vidéo-là, c'est juste une de mes pires hontes, puis j'avais envie d'être fière de quelque chose, puis ça, je suis vraiment fière, puis je suis vraiment contente. Donc, il va y avoir des signatures au Québec, il va en avoir en Europe, il y a un lien en barre d'informations, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc si vous voulez toutes les informations, ben n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, j'essaye de me remonter le moral un petit peu avec quelque chose que je suis vraiment fière, puis vraiment contente, puis que j'ai hâte que vous puissiez lire. Prochaine recette, ce sont ces magnifiques petits biscuits que je trouvais vraiment mignons. Donc, il y en avait plusieurs modèles sur le Pinterest original. Mais moi, évidemment, j'ai choisi de faire ceux à l'effigie de chat noir parce que, you know, Fudge, mon fils, il est beau, il est fin, il est doux, je l'aime. Puis, j'ai une obsession un peu malsaine pour les chats. Donc, j'ai décidé de les reproduire. Et c'est quand même assez simple, encore une fois. C'est ça le problème avec Pinterest, c'est qu'ils montrent des trucs. Puis tu penses que c'est simple, mais finalement, c'est vraiment pas si simple que ça. Fait que bref, pour faire ça, vous aurez besoin de Candy Melts noirs. C'est pas du chocolat, c'est vraiment des bonbons, des pastilles de bonbons fondants. Vous aurez besoin de biscuits Oreo, de petits bonbons en forme de yeux. Ah, j'ai vraiment chaud. Vous aurez aussi besoin de petits bonbons en forme de cœur et de petits bonbons blancs. La procédure, ben vous allez faire fondre les candy melts, même chose que les pastilles de chocolat blanc, au micro-ondes, vous le brassez à toutes les 30 secondes pour s'assurer que ça brûle pas, et quand la consistance est assez liquide, vous allez venir tremper le Oreo dedans. Mais là, le truc, c'est que vous pouvez pas juste le mettre dedans, parce que sinon, ce sera pas uniforme, puis tout ça. Donc, sur Pinterest, on conseillait de mettre... En fait, non, on conseillait pas, on disait de prendre une fourchette, de la piquer dans le crémage d'Oreo et de venir le tremper dans le candy melts. Premier essai... Le Oreo a littéralement fendu en deux, comme vous pouvez voir, ça a pas fonctionné. Fait que je l'ai enlevé et j'aurais dû faire ce que toute personne normale aurait fait, c'est-à-dire pourquoi je m'inflige ça, c'est vraiment une mauvaise idée, ça va être laid de toute façon. Ah, je vais finir par y arriver un jour. Mais comme j'ai un petit peu d'orgueil puis je voulais au moins réussir un des DIY dans cette vidéo, ben je me suis dit que j'allais quand même continuer à le faire, donc prise 2. J'ai replanté une fourchette dans l'Oreo, je l'ai remis dans le candy melt, je voyais encore que ça voulait fendre, fait qu'à ce moment-là, j'ai juste comme décidé d'essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec ça, mais encore une fois, le candy melt, c'était pas uniforme, ça faisait comme des gros motons pas beaux et tout ça, fait que en tout cas, bref, j'ai décidé de le sortir comme ça, puis de me dire que peut-être qu'une fois qu'on allait mettre les petits bonbons par-dessus, ça allait être cute. Puis effectivement, là, faut que je l'avoue, c'était quand même cute une fois qu'on met comme les petits yeux, puis le petit nez en cœur, puis les petites moustaches. Tu sais, ça a vraiment l'air d'un chat, là, on se le cachera pas, c'est mignon. Mais le truc avec ça, c'est que faut être super minutieux. Parce qu'en fait, c'est aussitôt que vous prenez le truc, puis vous le déposez dans le candy melt, ben vous pouvez pas le retirer après parce que ça fige assez rapidement. Fait qu'il faut
faut comme que vous soyez certain d'où est-ce que vous allez le placer. Puis comme c'est tout petit, ben c'est ça, faut vraiment avoir de la dextérité. C'était pas facile, ça a l'air vraiment plus facile à la caméra. C'est peut-être juste moi qui est pas bonne, mais c'est ça, c'est... Ça prendrait des pinces. Ouais, je pense que c'est ça, ça prendrait des pinces, tu sais, faudrait se pratiquer. Mais encore une fois, la fille sur Pinterest n'a jamais parlé de pinces. Fait que peut-être qu'elle avait des pinces, mais elle l'a juste pas dit parce qu'elle voulait qu'on pense qu'elle était meilleure. Puis elle voulait nous faire sentir mal. Conspiration! Bref, c'est ça, c'était pas nécessairement évident. Je l'ai faite deux fois pour voir si la deuxième fois ça allait être plus facile. J'ai littéralement mis le nez à l'envers, fait que hein, c'était pas plus facile la deuxième fois. Puis finalement, j'ai mis des petits Chipits de chocolat pour faire les oreilles. J'avais complètement oublié de le montrer, mais c'est ça qu'il y avait sur la recette Pinterest. Donc, Jay, si tu veux venir tester les petits biscuits de fudge, parce qu'en fait, Jay avait testé à la caméra les biscuits Band-Aid et la pomme. C'est juste que, bon, hein, ça a planté la première fois. Fait que il va le goûter en live pour la première fois. Je me sens mal de manger fudge. Ouais, hein. Attends, la vraie question est... Est-ce que c'est meilleur qu'un Oreo tout court? Parce qu'on s'entend, les Oreos, c'est comme the shit, là. C'est les meilleurs biscuits. OK, moi, je préfère mes Oreos avec du lait. Mais, pour de vrai, avec le Candy Melt, c'est meilleur que juste l'Oreo tout court. Sérieux? Je goûte pas grand-chose en ce moment. Mais c'est vrai que c'est quand même bon. Ouais. C'est pas mauvais. Ça a juste une genre de petite couche. OK. Bon, ben même si c'est pas parfait, je pense qu'il est quand même cute pis il est bon en plus. Fait que ça, c'est vraiment un avantage, c'est juste que c'est long à faire. Fait que tu sais, quelqu'un qui aime ça ou quelqu'un qui, comme je sais pas, tu sais, qui est vraiment dedans pour les parties pis qui veut vraiment organiser quelque chose de cool pis qui a du temps pour faire ça, ça peut être cool à faire, c'est juste... Moi, en tout cas, j'aurais pas la patience de faire ça, malheureusement. Mais celui-là, faut que je l'y laisse, c'est lui qu'on a le moins planté. Pis c'est lui qui goûte le meilleur, donc je vous dirais pas de ne pas le refaire, ça, là. Il est quand même pas si pire, mais achetez-vous des pinces. Ça existe-tu des pinces comme en pâtisserie pour venir mettre les trucs, sûrement? Ben, en tout cas. Pince, ouais, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, je suis contente. Yay! Au moins un qui est pas si pire que ça. Après ça, j'ai voulu faire ces saucisses enrobées de pâtes. Donc ça a l'air de petites saucisses momies. Je trouvais ça vraiment mignon. Pis tu sais, on s'entend, des saucisses pis de la pâte, ça doit pas être très compliqué à faire, right? Mais c'est ça, dans le fond, vous avez vraiment juste besoin de comme deux ingrédients pis un accessoire. Vous avez besoin de saucisses, vous avez besoin de pâtes et vous avez besoin d'un... Comment ça s'appelle? Un rouleau pour couper de la pizza? Un rouleau pour couper de la pizza? On va dire ça. Bon, là déjà, ça commençait vraiment mal parce que j'arrivais pas à ouvrir mon rouleau Pittsburgh, fait que Jay a été obligé de venir à la rescousse parce que c'est ça, sinon on n'aurait pas réussi. Bref, une fois que ça a fonctionné, j'ai pris la pâte, je l'ai mis à plat et je suis venue découper des petites lanières avec le rouleau pour découper de la pizza. C'est sûr que ça a un autre mot pour ça, c'est ben trop long. Rouleau à pizza, tiens. Bref, j'ai découpé les lanières, ça se fait bien, c'est facile. Ensuite, vous allez prendre la saucisse et venir couper dans le bas, dans le fond, une petite fente pour venir faire les jambes. Et une autre fente de chaque côté pour venir faire les bras. Je pense que les miennes étaient peut-être pas assez épaisses parce que la personne sur Pinterest, les siennes avaient l'air comme, je sais pas, tu sais, ça avait l'air mieux découpé, il avait l'air d'avoir plus de bras puis tout ça, mais je me suis pas arrêtée à ça, donc j'ai pris la pâte, j'ai pris la lanière et j'ai commencé à les entourer autour de la saucisse. Donc honnêtement, c'est pas difficile à faire, c'est juste, c'est pas le fun. Moi, je m'attendais à ce que ce soit cool, tu sais, comme tu fais tes petites momies puis tout ça, mais ce l'est pas. Et à ce moment-là, Jay a décidé de venir tester des DIY aussi. Jay addict à la rescousse, donc il a décidé de me laisser sa caméra et de venir essayer de faire une saucisse momie lui aussi. Fait que Jay, qu'en as-tu pensé? C'est vraiment comme pas le fun. Les textures sont bizarres, c'est weird à faire. C'est comme, mais tu sais, on les regarde, puis je veux dire, ils sont pas si laids que ça, là. C'est pas si pire que ça. Mais c'est juste... Le tien a l'air de n'importe quoi, le mien a l'air du bonhomme Michelin. Ouais, un peu. On est-tu juste rendu vieux et grincheux? Je pense que oui! Mais ça, c'est juste la saucisse dans de la pâte et... Genre... Mais en tout cas, bref, une fois que vous allez avoir terminé ça, vous le mettez à 350 degrés pendant 10 minutes dans le four pour le faire cuire. Mais je pense que t'as raison, dans le fond, je pense qu'on est vraiment juste rendu vieux et grincheux parce que ça, je pense que je peux m'imaginer, t'sais, un parent qui a des enfants, t'sais, des jeunes enfants qui peut faire plaisir à son enfant, t'sais, c'est cool, c'est comme... Tu sais, je sais pas, moi, c'est juste parce que je le faisais pour moi-même, tu sais, fait que j'avais pas vraiment de plaisir à faire ça. Mais tu sais, j'imagine, mettons, tu fais ça pour ton enfant. Tu sais, mettons, fudge, j'aimerais vraiment ça, manger ça, dans le fond. Mais j'y donnerais jamais, mais en tout cas, bref, c'est ça, c'est pas difficile à faire. Ça ressemble un peu quand même à sur Pinterest, mais c'est long, c'est chiant, ça sert à rien. Meurs pas, Jay.
Donc bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo malgré le fait que et moi et clairement Jay aussi, on est en train de se décomposer littéralement. Pour vrai, j'ai vraiment l'impression que mon cerveau est dans du jello puis est en train de me couler par le nez en ce moment. Je m'excuse, c'est dégueulasse, mais c'est la vie, c'est ça, voilà. Fait que, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que j'ai perdu un peu intérêt à faire des DIY? Pas que je vous mentais dans les DIY d'avant, mais c'est juste que des fois, ça me prenait plus qu'un essai avant de le réussir. Puis tu sais, je voulais vraiment vous montrer les bonnes étapes. Fait que tu sais, les étapes que je vous montrais dans mes vidéos, c'était comme ce qui avait vraiment fonctionné pour moi, mais tu sais, c'était peut-être l'essai comme 2 ou 3. Fait que bref, c'était pas des mensonges, mais c'était comme un peu des mensonges en même temps. Fait que en tout cas, bref, c'est pour ça que la période de Catherine qui fait des DIY, ça va être le moins souvent possible parce que là, sérieux, là... Là, c'est assez. Si jamais vous voulez voir une autre vidéo de cuisine, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Jay qui est Jay Addict. Il y a une vidéo avec Rosalie Lessard où ils font de la cuisine et Jay porte un énorme costume de sumo. Donc, vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne si vous en avez pas assez de voir des vidéos d'Halloween de recettes de notre part. Et sinon, ben, tous les liens pour me joindre sont en barre d'informations. Donc, Facebook, Twitter, Instagram. Je sais pas pourquoi je dis Facebook en premier, je vais jamais sur Facebook. En tout cas, Instagram et Twitter. Et nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye! Bye! Faut que je me mouche.